Merci. Donc, un point de presse que vous voyez conjoint avec Amir Kadir de Québec solidaire, avec Sylvie Roy, députée d'Arthabasca, concernant la motion que nous avons déposée conjointement pour recevoir à la Commission des transports et de l'environnement. Je pense qu'on a vu la semaine passée à quel point il y a des irrégularités au MTQ, puis suite à la Commission Charbonneau. C'est très grave ce que nous avons entendu. Il est important que les Québécois puissent avoir la vérité, puissent connaître la vérité. Donc, nous souhaitions entendre le député de Marguerite Bourgeois, M. Poitier, qui d'ailleurs s'est pas gêné pour faire toute une série d'entrevues à la radio, à la télévision. Je pense que ce serait important qu'il vienne également rencontrer les parlementaires. Entendre aussi Jean-Louis Dufresne, le directeur de cabinet du premier ministre, étant donné que lui était au courant et n'a pas jugé à propos d'informer son ami et le premier ministre de toute cette histoire-là concernant les irrégularités à l'MTQ. Donc, pourquoi l'a-t-il tenu dans l'ignorance? Et la même chose pour M. Ecclésias. Pourquoi a-t-il tenu le premier ministre et son ami dans l'ignorance? Il est important aussi de rencontrer Mme Annie Trudel, qui a été, je vous dis, une ex-employée de l'UPAC qui a fait toute une vérification au sein du MTQ et qui a reçu des bâtons dans les rues, dans les roues. Oui. Ça serait important de l'entendre, ainsi que Mme Louise Boily, qui a été la signataire du rapport pour lequel il manque 4 pages. Et les autres personnes que nous avons demandé d'entendre. Vous savez, c'est pas banal ce qui s'est passé la semaine passée. Et en plus, on est d'accord là avec le vérificateur général qui fasse sa vérification au MTQ, mais c'est pas juste la vérification du MTQ, c'est toute la ligne de décision concernant le gouvernement libéral où on doit aussi avoir un éclairage parce que la question se pose, pourquoi l'ex-ministre des Transports a-t-il été évincé du Conseil des ministres? Difficile de croire le premier ministre, M. Couillard, qui nous dit que c'est parce qu'il souhaitait avoir quelqu'un de plus jeune, une femme, puis quelqu'un provenant des régions, lorsqu'on voit que la personne qu'il a nommée pour le remplacer est M. Daou, donc un homme d'expérience, disons ça comme ça, et de Montréal. Donc, quelle est la véritable raison? Est-ce que c'est parce que M. Couillard refusait de faire le ménage au MTQ? Et voilà, c'est important que nous ayons une commission parlementaire. Très brièvement, moi, je pense que il faut surtout rappeler que M. Couillard a des responsabilités et il ne peut pas se soustraire à ses responsabilités aussi facilement. N'importe qui de près ou de loin s'intéresse à la politique du Québec depuis les 5-6 dernières années, depuis sans doute les événements qui ont entouré... Depuis 2009, les premières questions posées par Sylvie, le travail fait par les journalistes et le reste de l'opposition, c'est qu'il se passe quelque chose au ministère de Transport et au ministère des Affaires municipales. C'est les deux ministères les plus importants qui octroient des contrats. Et il me semble que la première responsabilité d'un premier ministre qui dit venir au pouvoir pour assurer l'intégrité du gouvernement libéral qui a tourné la page par rapport à l'époque Charest, c'est de s'assurer d'envoyer des consignes claires à tous ses ministres et à tous ses sous-ministres, à tout son personnel, d'être le premier informé de toute irrégularité. Alors comment ça se fait qu'il n'était pas au courant? Est-ce que c'est de l'aveuglement volontaire ou est-ce que c'est parce que il y a de l'information qui lui est parvenue et il a préféré écarter le ministre plutôt que de régler le problème? Donc, comme nous l'avons mentionné la semaine dernière, la réponse à ça, il y a une réponse bien sûr administrative. La VG aura amplement le loisir de le faire et nous en sommes reconnaissants, mais une réponse politique qui doit être donné par le premier ministre du Québec. Et c'est pour ça qu'on veut entendre tous les témoins en commission parlementaire. Alors, pour moi, c'est comme jouer dans le jour de la marmotte. Ça fait plusieurs fois que je pose la question puis que je redis. Puis, en tout cas, finalement, j'ai pas voulu suivre les pistes de... Un petit commentaire comme ça. J'ai pas voulu suivre les pistes de ma mère qui est professeure parce que je trouvais, après avoir enseigné, qu'on passait notre temps à répéter. Mais je pense qu'en politique, j'ai pas gagné au change. Ça fait depuis 2009 qu'à la simple lecture des documents, je voyais qu'il y avait des irrégularités. C'est pas très, très difficile, là. Quand le contrat est à 24 999 puis que c'est 25 000 le total... pour pas aller en soumission, puis il y en a deux à la même personne à 24 999, ça prend pas la tête à Papineau pour trouver que ça fonctionne pas. Donc, c'est des documents qui sont publics. C'est facile de se rendre compte qu'il y a rien qui a changé à la commission au ministère des Transports. Et puis qu'on répète, puis on répète, puis on continue à chercher des mécanismes pour garder sa tête dans le sable. Faire l'autruche, puis c'est... Je pense que la population en est rendue un ras-le-bol, et puis ils sont désensibilisés face à la corruption.
Ils disent, bon, c'est ça la vie, mais je pense qu'on ne doit pas, nous, en tant qu'opposition, baisser les bras sur ces sujets-là. Merci. Merci.